Mais je dis, ce que ta complice et toi, vous avez fait, c'est méchant, c'est assassin, c'est mesquin. Vous vouliez la mort du gars, vous vouliez la mort de ces seigneurs. C'est parce que ça n'a pas marché. C'est parce que ça n'a pas marché. Nos ancêtres ne l'ont pas lâché. C'est pour ça que toi, tu es en train d'ouvrir la bouche pour parler. Et ça aussi, c'est sorcellerie béninoise. C'est la sorcellerie béninoise que tu es en train de voir comme ça. C'est la démonstration de la sorcellerie béninoise. Parce que tout le temps, quand vous parlez du Bénin, là, c'est pour nous accuser de sorcellerie et tout. Sinon, si un homme normal, toi-même, tu es normal, tu te lèves le matin, tu commences pas à balancer des histoires du genre. Toi-même, tu sais que ça va faire clash dans le pays. Toi-même, tu sais que ça va faire boum, ça va faire effet buzz négatif. Et pour toi, et pour la fameuse MC Marie-Close, et pour nous, notre star. Mais ce que tu oublies, hein, ce que vous oubliez, hein, c'est que hein, la vérité, ça ne dort pas. Dieu même, là, il ne dort pas. C'est Dieu qui vient de te sauver, hein, c'est Dieu qui vient de te sauver. Faut aller écouter God's Win, ou bien reviens, toi-même justement en parlant de ça, c'est reviens au pays. Tu reviens au pays, tu vois, éponge en fer, là, dans ces services, on va te laver. On va te laver de ces impuretés, là. On va te laver. Et notre plan, il est aussi ça, qu'on Dieu, mon corps, ton son, son baisante, mais c'est quoi ça, là? Depuis que tu as commencé par fréquenter cette fille-là, tu n'as fait que des bêtises, des dérives. Tu manquais de concentration et tout. Bref, le linceul se lave en famille. Mais le plus important et le plus urgent, là, non. Où que tu te trouves, rentre au pays. Tu vas dans ta famille. On fait les rituels pour ça. On te lave les pieds. Quand, si tu ne sais pas que ta femme t'a trompé, ça passe. Si tu sais que ta femme t'a trompé, hein, et que tu veux gérer, ça aussi, ça passe. Mais que quelqu'un se lève pour dire non, moi j'ai baisé ta femme publiquement là. Hé, hey, c'est Seigneur, rentre au pays, on va vite te laver. Sinon, tu vas commencer pas à t'enfler comme ça. Tu vas commencer à t'enfler. Elle a fait jusqu'à la fin. Elle est même tombée enceinte de chauve-souris déjà, sous ton toit. Elle va faire même enfant chocolat sous ton toit. C'est vrai. Mais deux personnes noires ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire enfant blanc. Hein? Toi aussi. Tu es resté où? Adjo Nukundo Télé, Kakabo. Hacho Chouasson, Kuna, oui. Tu as gardé tes yeux ouverts comme ça jusqu'à. Ils sont venus mettre épingle dedans, brindis de balai dedans pour toi. Hein, c'est Seigneur. Oh non, non, mon bon oignon. C'est pas bien, c'est pas normal. Homme. Déjà, MC Maïko t'a embrouillé avec des Bordeaux. Si ta carrière musicale aujourd'hui est décédée, en fait, je veux pas de collaboration musicale. Vous deux ensemble, vous allez faire tabac dans l'Afrique. C'est à cause de cette quimbèche là que votre carrière musicale a été noyée même déjà dans le. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le commencement. Ensuite, tu as eu des problèmes avec ta mère. À cause de qui? Tu as des problèmes avec ta mère, mais c'est vrai qu'avec ta mère, bon, comme dans toute famille africaine, hein, ça ne manque pas. Mais si ça s'est empiré, dégradé, c'est à cause de qui? C'est toujours à cause de cette fille-là. Cette fille-là même, c'est ton terminus. C'est parce que ça fait mal, ça brûle quand tu veux parler. C'est ton terminus, Marie-Claude, c'est ton terminus. Toujours, tu as des problèmes, c'est à cause de cette fille-là. Elle a mélangé ta vie. Maintenant, tu dis que MC, elle est une sorcière. C'est là on dit que non. Même si ta maman est quelque chose, hein, faut la respecter. Il y a quelques mois seulement, quelques mois, ta mère a fait une vidéo. Elle a dit que tu vas payer. Ta mère a dit que tout va se... Qu'elle est ici, non? Tout va sortir. Voilà, tout est en train de sortir. Ta mère a dit que c'est à cause de cette Marie-Claude-là. Elle a dit ça sur un plateau télé que Marie-Claude n'a qu'à quitter la vie de son fils. À cause de ça, Marie-Claude lui a montré de toutes les couleurs. Mais toi, tu es resté du côté de Marie-Claude. Maintenant que Marie-Claude t'a emmené échographie, chauve-souris ou bien souris là même. Ah, jusqu'à aller faire enfant libanais. Ah, ça te fait mal. Le reste là, vous allez gérer entre vous. Ménage à trois que vous avez eu à faire là. Nous, on prend pour nous dedans. C'est Seigneur, les corps, oui. Reviens à la maison. Reviens te laver. Hein? Reviens te laver. Viens, on va te laver. Le linge, ça se lave en famille. C'est gérable. Hein? Va récupérer la mère de tes enfants. Viens choisir une béninoise. Mais laisse go Bluetooth là, faut la laisser. Go, ah! Go Wi-Fi, faut la laisser. Laisse ça là. Multiprise, laisse. Mais comme c'est la mode à faire de revenge porn, parce que là c'est Arafat qui est fâché contre son ex et qui balance tout sur elle. C'est du revenge porn, d'une manière ou d'une autre, c'est du revenge porn. Parce qu'il dit tout ce qui est saleté entre eux, tout ce qui est dessous et tout. Mais je sais pas c'est quel mauvais vent qui est en train de souffler comme ça. Hein? C'est Seigneur toi aussi. Et toi a envoyé pour lui aussi, ici on a dit. Zokora a envoyé pour lui, on a dit. Pour Eto même on a trouvé un mot. Une coatisation.
Pour Zokora, on a trouvé Zokorisé. Eh, c'est ce qu'il faut laver l'honneur du pays. Toi aussi, on va te créer un verbe. On va trouver un verbe pour toi, pour laver l'honneur du pays. En attendant, il faut Zokoriser cette fille-là. Faut tout récupérer, tout. Tu ne lui laisses rien. Tu récupères tout. Tu rentres au pays, on va te laver, c'est tout. Pour le reste, là, enlevez-nous de votre histoire et tout, enlevez-nous de votre histoire. Enlevez le gars de votre histoire. Ayez pitié de lui, ça fait mal. Un homme qui a investi sur une femme pendant des années, un homme qui a doté une femme, un homme qui lui a construit des maisons, un homme qui lui achète même le nom, un homme qui lui donne tout l'honneur qu'il faut. Hein? Hein? Voilà ce que... Oh, ça fait mal, hein? Ça fait trop mal. Même si, franchement, tu es mauvaise. Tu es très, très, très mauvaise. Ah! Nos esprits vont te chicoter. Toi-même, tu connais le vaudou.